La team, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. J'ai toujours du mal, je vous dis la vérité, à m'y faire sans mes cils. J'ai l'impression que. Franchement, j'ai l'impression que je suis quelqu'un d'autre. Alors, je vous explique. En fait, nous les filles, quand on a l'habitude de se faire plein de poses de faux cils, en fait, les cils en dessous, ils poussent plus et ils sont vraiment. Enfin, ils deviennent tout petits. Et du coup, quand on les enlève, on a forcément un choc. Donc, c'est pour ça c'est un cercle vicieux. On n'arrive plus à rester sans. Et après, on recommence, on recommence, on recommence. Et pour que vos cils y repoussent et qu'ils redeviennent comme avant, en gros, faut faire une cure de genre 3 mois. Donc, c'est pour ça qu'en général, on lâche l'affaire et on refait nos cils. Sinon, je suis encore en train de peaufiner ma vidéo YouTube. Et franchement, le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte qu'elle sorte. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je pense que je vais aller bronzer un petit peu, même s'il est 16h. Et quoi d'autre pour vous raconter ma vie? J'essaye de faire attention à ce que je mange, parce que franchement, à chaque fois, je craque pour n'importe quoi. Je mange vraiment n'importe quoi, des bonbons. Bref, je mange n'importe quoi. Donc, du coup, j'essaye de faire attention un maximum à ce que je mange. Et franchement, ce matin, je suis vraiment de bonne humeur. Donc, voilà. Alors les filles, écoutez, j'en reviens pas. Les filles et même les mecs, vous allez être choqués. Écoutez, il y a un tout nouveau truc qui vient de sortir. Mais quand je vous dis que vous allez être choqués, c'est révolutionnaire. Je n'en crois pas mes oreilles, je n'en crois pas mes yeux. Filles, combien de fois on s'est embrouillé avec nos mecs, nos maris, nos frères, parce qu'ils jouaient à FIFA. Oui, parce qu'ils passaient des heures et des heures et des heures. Et le pire, je lui disais, mais tu joues pour rien. Tu ne gagnes rien, c'est même pas comme si tu jouais pour gagner quelque chose. Tu gagnes rien, tu joues. J'ai entendu mon mari dire à ses potes, vas-y, on se retrouve, on va faire un match, vas-y, on parie, vas-y, qui va gagner, qui. J'ai mais vous pariez quoi? Il y a quoi à gagner? Genre, je comprends. De mon mari, je vous explique, c'était de pouvoir jouer à FIFA et de pouvoir miser et remporter de l'argent. Eh bien, je vous explique, c'est possible dorénavant, c'est-à-dire maintenant, votre mari qui est chez vous en train de jouer à la Play, il peut remporter des sous. Et combien de gens autour de nous, ils sont hyper fort, mais à chaque fois on se disait ça sert à rien parce qu'il n'y a rien à gagner. Pouvoir mettre votre daronne à l'abri. En tout cas, sachez que ça peut arrondir vos fins de mois ou carrément vous mettre hyper bien, vous faire changer de vie pour ceux qui savent vraiment bien jouer. Samy,